Johnny Depp ne serait plus un cœur à prendre. Si est en tout cas ce qu'affirmait une rumeur lancée par un compte Instagram ces derniers jours, relate Vanity Fair. Il indiquait que l'acteur américain de 60 ans avait été vu en compagnie de Jenna Ortega lors d'un rendez-vous galant. Une relation amoureuse a-t-elle vraiment émergé entre eux deux, malgré leurs 40 ans de différence d'âge? L'actrice, qui a notamment porté la série Mercredi sur Netflix, a tenu à clarifier la situation sur son compte Instagram, rapportent nos confrères du Daily Mail. Si est-ce tellement ridicule que je ne peux même pas rire, a-t-elle écrit dans un premier temps. Avant de compléter sa mise au point, je n'aille jamais rencontré ni travaillé avec Johnny Depp de ma vie. S'il vous plaît, arrêtez de répandre des mensonges et laissez-nous tranquilles. Jenna Ortega vient ainsi mettre fin aux rumeurs de relations amoureuses avec Johnny Depp, mais aussi de collaboration professionnelle sur le tournage de Beetlejuice 2, sous la houlette de Tim Burton. Johnny Depp, de Vanessa Paradis à Mayuen, qui sont les femmes de sa vie? Jenna Ortega a-t-elle été en couple par le passé? L'information a également fait réagir dans le clan Depp. Un de ses représentants s'est exprimé avec des propos rapportés par le média M. Depp n'a aucune relation personnelle ou professionnelle avec Madame Ortega. Il ne l'a jamais rencontrée ni lui a parlé. Il n'est impliqué dans aucun projet avec elle et n'a pas l'intention de l'être. Il est consterné par ces rumeurs infondées et malveillantes qui visent à nuire à sa réputation et à sa carrière. La vie sentimentale de Jenna Ortega a été au cœur de plusieurs rumeurs depuis son éclosion aux yeux du grand public. L'actrice de 20 ans a notamment été annoncée en couple avec l'acteur Asher Angel, après plusieurs événements partagés ensemble, ou encore le chanteur Jacob Sartorius. La principale concernée n'a jamais confirmé les dires à son sujet, préférant même en rire. D'après Internet, « Je suis sortie avec 6 mecs mais je n'ai jamais eu de relation avec aucun d'entre eux », avait-elle notamment indiqué dans le podcast Just Between Us selon Energy. Crédit photo, Zuma Press Best Image. Just me.